tu nous parles un petit peu de Lucia que tu suis depuis quelques semaines, enfin, ça s'est fait Pas que depuis quelques semaines, c'est un joueur qu'on connaît depuis qu'il est à Sochaux, où il était parti très jeune à l'étranger, et c'est vrai que souvent, quand il y a des jeunes à l'étranger, on aime bien continuer à regarder leur parcours, voir leur évolution, ce qui était le cas de Lucien. Il est arrivé très jeune à l'Inter de Milan. C'est difficile aussi de pouvoir justement, à 17 ans, s'imposer dans un grand club comme l'Inter de Milan. Et puis on a suivi justement son évolution lorsqu'il a été prêté la saison dernière à la Spezia, où il a fait une quinzaine de matchs. On avait déjà pris attache avec son entourage pour savoir un petit peu quelles étaient les possibilités. Et puis au fur et à mesure, on a créé ce lien, on a continué justement à l'entretenir pour voir s'il y avait une possibilité. Et puis finalement, on a été patient parce qu'on savait très bien qu'il y avait aussi une situation personnelle à devoir clarifier avec son club. L'Inter a voulu bien évidemment le garder pendant toute la préparation, souhaitait aussi le prolonger. Donc il fallait justement atteindre la condition de sa prolongation pour qu'il puisse partir en prêt. La volonté de Lucien était aussi de vouloir, si demain il était prêté, c'était d'être dans un club français, parce qu'il y a eu beaucoup de sollicitations de clubs italiens également. Et puis on a été patient et on a créé un contact directement aussi avec le joueur, par l'intermédiaire donc du coach et moi-même. Et au fur et à mesure, ben, on a réussi à délier un petit peu le dossier. On a été d'accord, je ne vais pas dire rapidement, mais on va dire au moins 15 jours avant, dans les grandes lignes, la fin du mercato. Et puis, quand c'est des prêts, que vous n'êtes pas maître et décideur, le dossier s'est fait le 31. Donc au dernier moment, mais en tout cas, on est très content parce que c'est quelque chose dans lequel on a bien travaillé. Et aujourd'hui, on est très content qu'il soit parmi nous. Lucien, bonjour. Pourquoi tu voulais absolument être prêté en France? Pourquoi tu ne voulais pas rester en Italie? Ah, c'est vrai que comme l'a dit Greg, je suis parti en Italie très jeune, quand j'avais 17 ans. J'ai pas eu vraiment la chance de montrer mes qualités ou ce que je peux faire ici en France, parce que j'avais fait que 6 mois en pro à Sochaux avant de signer à l'Inter. Donc j'ai décidé de revenir pour pouvoir jouer en Ligue 1. En plus, depuis que je suis en Italie, ben, le championnat il a assez bien progressé. Donc j'ai pensé que ce serait une bonne opportunité de rentrer en France pour pouvoir montrer ce que je sais faire ici avant de rentrer en Italie. Bonjour Lucien. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez appris en Italie justement? Comment ça s'est passé au niveau de l'expérience personnelle, sur quel plan vous avez progressé peut-être? Non, ben c'est vrai que de quand je suis arrivé à l'Inter il y a 2 ans à maintenant, j'ai beaucoup progressé. Je suis pas le même joueur, je pense, pris en maturité. Et j'ai travaillé beaucoup tactiquement, physiquement aussi, j'ai pris quelques kilos. Donc je pense que le Lucien qui est parti il y a 2 ans et le Lucien de maintenant, ben c'est pas le même Lucien, c'est un autre Lucien plus grand, qui a progressé et qui va essayer de montrer ce qu'il sait faire ici au Stade Brestois cette saison. Est-ce qu'on devient aussi peut-être beaucoup plus professionnel en côtoyant des joueurs d'un niveau supérieur à l'Inter par exemple, ou d'un niveau européen quoi? Est-ce qu'on s'en imprègne? Ouais. Je pense qu'en côtoyant des joueurs de haut niveau, un club de haut niveau comme ça quotidiennement, ben, tu es obligé de te mettre au niveau toi aussi. C'est-à-dire mettre au niveau dans la préparation, dans ton travail, dans tes séances d'entraînement. Et je pense que pour arriver au niveau et rester au niveau, faut se comporter tout le temps comme un sportif de haut niveau. Et côtoyer ces joueurs-là, ces coachs-là,
Ça m'a beaucoup, beaucoup aidé durant ces deux dernières saisons. Tu jouais à la spéciale l'année dernière, c'est ça ? Comment s'est passée ta saison ? Bah, la Spezia, j'ai fait, ouais, comme l'a dit Greg, j'ai fait une quinzaine de matchs. Je pense que bah, le temps de jeu que j'ai eu, j'ai essayé de le bonifier. Je pense que j'ai fait des bonnes performances. Mais après, bah, la décision revient toujours au coach. Moi, de mon côté, j'ai toujours travaillé pour essayer d'être le plus possible sur le terrain. Ça n'a pas été le cas. Mais je pense que ça a été une bonne expérience quand même. J'ai fait des bons matchs en Serie A. Et aujourd'hui, bah, j'ai décidé de découvrir quelque chose d'autre ici à Brest. Il y a un très bon projet de jeu. J'ai regardé quelques matchs avant de venir. J'ai parlé avec le coach, j'ai parlé avec Greg et je pense que c'est ce qui me convenait le mieux. Greg, tu me parlais un peu des qualités de Lucien. Qu'est-ce que vous attendez de lui finalement? Lucien, c'est un joueur déjà qui est intelligent et qui est capable de jouer dans différents systèmes, que ce soit au milieu de terrain, en position un petit peu plus basse ou un petit peu plus haute. C'est un joueur qui a une qualité athlétique assez puissant, qui est capable aussi techniquement de jouer dans les petits espaces. C'est un garçon qui est aussi calme avec le ballon, capable aussi parfois de pouvoir casser des lignes. C'est un garçon qui est complet en termes de profil, mais qui a aussi besoin de travailler, de progresser dans d'autres domaines. Et je pense qu'au fur et à mesure qu'il acquérera de l'expérience, se bonifiera et montrera toutes les qualités qu'on croit en lui. En tout cas, pour nous, c'est un joueur qu'on souhaitait vraiment intégrer dans notre collectif. Maintenant, on a une confiance totale en lui et ça sera lui justement aussi, à travers ses prestations, de montrer qu'il pourra nous aider à franchir un cap. Parce que vous savez très bien que nous étions aussi un petit peu démunis dans ce secteur-là et il était important de pouvoir avoir un joueur avec les caractéristiques de Lucien dans notre effectif. Tu étais capitaine hein, dans l'équipe de France Jeune, même toujours. Là, toujours, ouais. T'as une âme de leader un petit peu, malgré ton jeune âge. Ouais, ben, c'est vrai que ben, déjà j'ai été lancé en pro assez tôt. Et avec les sélections jeunes en équipe de France, j'ai été capitaine de U16 à maintenant. Donc cette âme de leader, ouais, effectivement, je l'ai en moi. Mais je pense que faut savoir faire la part des choses quand même. J'arrive dans un groupe où je pense que je suis le plus jeune dans le groupe. Donc je ne vais pas dire que je vais être le leader ici à Brest. Il faut savoir faire la part des choses. En équipe de France, peut-être je suis un des leaders. Mais ici, je vais essayer de rester à ma place et montrer mes qualités sur le terrain. Tu connaissais certains joueurs de l'effectif déjà? Moi, ouais, j'ai vu des matchs de Brest. Je regarde le championnat de France de Ligue 1. Donc, certains joueurs de vue comme ça, je les connais, mais personnellement, aucun. Est-ce que tu penses être peut-être parti un peu trop tôt à Inter Milan? Non, je pense pas. Je pense que j'ai pris la bonne décision. Et je ne regrette absolument pas ma décision. Si c'était à refaire, je le referais. Et pour aujourd'hui, ben, je suis ici à Brest pour montrer ce que je sais faire. Le fait que l'Inter te prolonge, c'est quand même aussi un signe de grande confiance vers toi. Bah, c'est vrai que le club et moi, on a un projet commun. Et dans ce projet commun-là, il y a ce prêt à Brest cette année. Et on va essayer de faire en sorte qu'il se passe bien et qu'on atteigne nos objectifs communs. Vu de l'extérieur, toi, t'as été depuis quelques temps. Est-ce que le fait qu'il y ait Messi qui soit arrivé, est-ce que le regard des Italiens, par exemple, a changé par rapport à la Ligue 1? Est-ce que tu le recueilles encore sur cette fois? Comme j'ai dit au début, déjà le niveau en soi du championnat, il s'est relevé comparé à quand je suis parti. Et c'est vrai que l'arrivée bah, de,
de joueurs comme Messi ou même avant Neymar, à faire en sorte que qu'à l'extérieur aussi on suive un peu plus le championnat, ce qui est une bonne chose parce que à mes yeux la Ligue 1 est un championnat très compétitif et très élevé, et je trouve ça normal qu'à l'extérieur ils le suivent aussi. Tu as pris le numéro 10 ici, si je ne me trompe pas. Pourquoi? C'est ça. Parce que pour moi, le plus important pour moi, c'est sur le terrain, c'est pas le numéro. Le numéro 10, je l'ai pris parce que quand j'étais petit, je rêvais de jouer avec le numéro 10. Quand je suis arrivé ici, j'ai vu qu'il était libre. Et donc je l'ai pris. Et je vais essayer